The global car fleet is expected to triple by 2050, a sad prospect if we look at the state of oil supply and the impacts of CO2 on the environment. In the EU-funded research project Babethanol, international cooperation between experts from Latin America and Europe has shown the potential of next-generation biofuels. Le projet Babethanol est un projet de production de bioéthanol à partir de matières premières qui ne sont non compétitives avec la filière alimentaire. Côté européen, nous avons choisi de travailler sur les coproduits de la paille d'orge et aussi sur les productions de maïs doux. Et côté Amérique latine, nous travaillons sur de la bagasse qui est le coproduit d'extraction de la tequila et sur le pinsot qui est le tourteau d'extraction d'huile de palmier à huile. The biomass is submitted to a series of treatments to be converted into ethanol. The first step of the process, developed jointly with international partners, has no precedent. C'est un procédé qui est compact en ce sens que il résume ou il rassemble les principales étapes de la transformation et d'autre part, on intensifie chacune de ces opérations pour qu'elles soient plus rapides. The model thus requires less energy, water and chemical products than conventional technologies. The tests performed here will help evaluate the carbon footprint of the process and define the operational conditions specific to each type of plant. L'objectif est de travailler sur des quantités de petite taille 4 à 5 tonnes au jour pour enrichir une dynamique culturelle agricole locale dans des pays différents. Ça peut générer des créations d'emplois, ça peut générer aussi la stabilisation d'un tissu rural éloigné d'une grande cité, par exemple. The European industry of bioethanol sees a significant potential for job creation in the next years. As the technology becomes greener, advanced biofuels from sources that do not compete with food confirm their position as a credible alternative to oil and a source for growth.